dans la parenthèse, ça marche vite. Libre au soleil, bien déposé. Allez, devant le portail des bateaux là-bas, il y a un bateau qui doit sortir, il y a une Mercedes noire. Mercedes noire, 200 noirs qui est garée devant le portail. Merci d'aller vite à déplacer devant le portail des bateaux, hein, je précise. Merci d'être noire, allez, merci d'avance. Et retour avec Marco Garavini là au service. Allez, vite là, là. Il est très très bien au service. Une belle zone, hein. Un très bon angle trouvé par Marco Garavini au service. On repasse devant, hein, jusqu'à 4 jeux à 3 pour eux dans ce premier set. Un déposant au président de l'équipe qui est à la roue 1, Axel Samardzic. Merci. Oh, ouais, c'est le également sur le terrain numéro 4. Ils connaissent bien aussi hein, ces quatre-là. Sur le papier, c'est la tête de série numéro 1, son favori. Allô ! Elle est retournée là, sur le service de Luca Carli. Elle a parlé de Paolo Tronchi sur le terrain numéro 4. On veut tout jouer sur le feu central. Avec Thierry Brunel là. On est tout ici avec un président juste à côté de là. Et le premier arrivé de cette association de 3D. Oh il y a également le stand du village en face de vous. C'est la Sartogne, un soleil sur le site de la plage des Brisants. Allez vous donner là avec vos amis du village. Allez, c'est bien servi là, côté Tommaso Giovanni. Côté Tommaso Giovanni. On a 40 à, hein. 40 à sur le service du Brésilien. Allez, il y a une carte de Valdemar avec le Brésilien. Et ça revient, ça recolle. 4 jeux partis dans ce premier set. Les 4 parties au service, le 6e joueur mondial actuel, l'Italien Tommaso Giovanni. Et il n'aura pas beaucoup un Italien Marco Garavini, il n'a pas que 2 trucs de retard. Thank you.
klaxonné, mais j'ai sonné, mais personne n'a répondu. Donc, Terrain numéro 13, Ralit, La Couture, Bray, Ridot. Terrain numéro 13. Oh. Allez, les escaliers qui restent devant, 5 jeux à 4. Hein, pour eux, on se prend du fait. Oh. Eh ben, bref, pardon. Ah là, je suis devant les... Ah oui, oui. Le bras est encore à la tête sur le numéro 3. Terrain numéro 10, Nico Max Touré Touzé Bouddha. Nico Max Touzé Bouddha, terrain numéro 8. Allez, donc premier set remporté à cette photo centrale par la tête de série numéro 3 de ce tournoi. Le Brésilien Vinicius Suspon de la 5ème arbitre. Face aux deux Italiens, Marco Garavini et Tommaso Giovanni. Thank you.
Ducrot-Froment, Parmentier, Deneclara, terrain 12. Second set pour la tête de série 2. Ce tournoi Marco Garagi et Thomas Zeus, Giovanni et l'Italien. Face au Brésilien, lui, sur ce compte. Et à la ronde 1, Axel Chalardi. Elle vient à côté du terrain numéro 4. Parce que là, 4 Italiens qui sont bien les Italiens. Sur ce terrain numéro 4, ça discute beaucoup avec plein de rencontres. Dans le tableau. Femme loisir, Michel Normandin, Cazel Rigal, terrain 8. Je répète, Michel Normandin, Cazel Rigal, terrain 8. Bouillet-Tézier, Sève Marilou, terrain 6. Sève Marilou, Bouillet-Tézier, terrain 6. Terrain numéro 4, s'il te plaît. Arrête le jeu là pour le moment. Allez, il y a un arbitre de chaise. Valérie, un peu de s'y faire respecter l'arbitre de chaise, Valérie Caron. Ça y est, l'arbitre internationalité qui arrive. Tournoi international loisir, Fischer-Fischer, Picard-Lefebvre, terrain 11. Fischer-Fischer, Picard-Lefebvre, terrain 11. Allez, reprise du jeu 40-30 hein, sur le jeu de service de Luca Carli. Applaudir un petit peu les joueurs, les aider à revenir un petit peu, à re-rentrer dans ce match de demi-finale. Porto! Allez!
Allez, puis t'as Camaro, ça, là, les 5e jour mondial, tu vas servir maintenant. Michel Normandin, Cazel Rigal, terrain 9. Michel Normandin, Cazel Rigal, terrain 9. Allez, avec un suicidé, pour conclure ce jeu, restez devant pour les Italiens, deux jeux en pour la paire Tommaso Giovanni et Marco Garagini. Face au Brésilien, Vinicius Ponte et l'Arménien, Axel Samaras. Touzé, Bouddha, Nico et Max, terrain 8. Nico, Max, vous êtes attendu, terrain 8. Dernier appel pour Nico et Max, terrain 8. Cazel Rigal, Michel Normandin, terrain 9. Superbement bien placé celui-là. Il s'est dit le bruit dans la tête, du côté Marco Garagini. Gontier, de Ranchin, Jean se prépare. Terrain 7, Coin, Anneli, Lapierre, Rama Harrison.
Terrain 7, point Anneli Lapierre, Rama Harrison. Terrain 13, Bruyas Loro, femme Billy. Terrain 13, Bruyas Loro, femme Billy. Forza Paolo. Bien varié là au service, il y a beaucoup d'effet dans celui-là. Il reste devant le Italien dans le deuxième set, 3 jours de Tourou. Devant, il y a 5 jeux à 4 dans le premier set. Thomas Giovanni, il a au service 5-0. Merci de me libérer le terrain numéro 5, s'il vous plaît. J'ai des joueurs qui vont s'entraîner pour les demi-finales. Je vois le terrain libre, s'il vous plaît. Merci. Pour mener tout le jeu à deux.
Rossi, Oaro, Maro, Kennedy se prépare. Rossi, Oaro, Maro, Kennedy se prépare. Des équipes de préparation de terrain sur le cours numéro 5, s'il vous plaît. Cours numéro 5, qui est préparation de terrain. Allez, tu casses avec lui là. Qui ? Bah oui. De série numéro 2 de ce tournoi, l'Italien Tonaldo Giovanni et Marco Gravini face à la tête de série. Rossi, Oaro, Maro, Kennedy. Venez à la table, s'il vous plaît. Allez, j'en profite, monsieur, je suis juste à côté de la budgette. Je salue nos amis bénévoles qui ont depuis maintenant 6 jours déjà. Sous la chaleur du site de la place des Brisants. Je donne encore un peu d'énergie, nos amis bénévoles du bar. Allez, vous démarrez. Rossi, Oaro, Maro, Kennedy, terrain 12. Rossi, Oaro, Maro, Kennedy, terrain 12, s'il vous plaît. Sur ce cours central. Marielle, quart de finale ici, hier soir, tard, entre guillemets, en nocturne, face aux Italiennes. C'est dur, hein, ça joue bien, hein, là, dans les deux tableaux. Quatre meilleures têtes de série qui sont là, c'est impressionnant là, cette année. Alors oui, effectivement, une très bonne équipe italienne. C'est très dur de les affronter une fois, je les maîtrise énormément sur la série. Et du coup, les matchs sont vraiment très difficiles. Et
Alors, je vous rappelle, hein, c'est un set de 6 jeux tie-break à 6 partout, comme un vrai set de tennis, un vrai set de beach tennis. Merci beaucoup, Marie-Ève Rouarou, quart de finaliste. Hein, ici, effectivement, un gros, gros niveau sur la table avec une très, très belle équipe pour le déplacement. Marie-Ève, un petit pronostic quand même, on se permet un petit pronostic chez les hommes comme chez les filles. Qu'est-ce que tu nous donnes comme vainqueur ce tournoi? Le pari est lancé, merci en tout cas à Marie-Ève qui est bien installée, qui profite de ses matchs. Bravo à elle en tout cas, un quart de finale de cette Open International des Brits en 2017. Elles se sont imposées, hein. C'était en 2015, si je ne dis pas de bêtises, elles avaient gagné ici. On s'en souvient plus, c'était une très très grande finale. Cette année malheureusement, pas de Rignonnais, pas de Rignonnais, pas dans le dernier carré. Dans le tableau, loisir gagnant homme. Guérin, Paré, Hasard, Le Bon se prépare. Guérin, Paré, Hasard, Le Bon se prépare. Incroyable, hein ? Allez, ça y est, j'ai pas vu. On a enfin trouvé un parasol. On va être parmi Abid de Chaise, Jonathan Rally. Ça va aller un peu plus vite, la première. On va les applaudir. On a donc Zach pour la paire de Thomas Giovanni et Marco Garavini, justement au service.